Avec la sortie du confinement, on a une plus grosse fréquentation. Les gens retrouvent vraiment la famille, par exemple, pour fêter les événements. Et du coup, cette semaine, là, on a beaucoup de papas qui viennent avec leur famille voir les cadeaux qu'ils aimeraient avoir et en profiter. Oui, alors là, cette année, on a vraiment plus de fréquentation. On a des jours où on n'arrête pas du tout. Là, cette semaine, ça s'est légèrement calmé au début de semaine, mais là, c'est reparti à partir de mercredi, parce qu'il y a le week-end, donc je pense que ça va être un week-end de fête pour certains. En plus, il y a la fête de la musique, et là, c'est vrai que cette semaine, c'est vraiment particulier. On court. Hein. Bah pour la fête des pères, on met en place, on prend beaucoup de polos, de shorts, de jeans, de ceintures. Bah, par rapport au beau temps, on vend beaucoup de shorts aussi. On a une petite gamme de bijoux aussi. On a mis en place donc, tout un secteur homme, parce que l'homme aujourd'hui mérite un beau bijou. Donc on travaille énormément les marques françaises, comme Jourdan, Rochet, et beaucoup d'horlogerie aussi. De luxe comme Tissot, Michel Herbelin, qui est une marque française également, Seiko. Et l'homme, le bijou, c'est la montre et le bracelet. Les gens veulent plus bricoler. Avec le confinement, je pense que les gens ont vu ce qu'ils voulaient faire. Et du coup, aujourd'hui, cette année, les gens veulent vraiment bricoler à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a les barbecues, il y a aussi les produits jardins comme les tailleuls, les coupes bordures, les débroussailleuses. Et on a un fournisseur aujourd'hui qui fait une opération. Donc après, vous pouvez investir dans une visseuse ou autre chose.